le nombre de catastrophes naturelles augmente de par le monde. Durant la décennie 2005-2014, ces catastrophes ont causé plus de 700 000 morts et plus de 1 300 milliards de dollars de dommages. Le Japon est un pays fréquemment sujet aux catastrophes naturelles. En mars 2015, il a accueilli à Sendai, ville touchée par le grand séisme de l'est du Japon de 2011, la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes. Le mois suivant, un puissant tremblement de terre a frappé le Népal. Dès le lendemain, le Japon a dépêché une équipe de secours sur place. Au même moment, une conférence internationale sur la reconstruction du Népal a été organisée à Katmandou à l'initiative du Japon. Le Japon a annoncé une stratégie d'aide pour améliorer la résistance des maisons au séisme et ainsi bâtir une ville plus résiliente face aux catastrophes. La clé de la prévention est d'investir en amont. D'après la Banque mondiale, chaque dollar investi dans la prévention permet d'économiser 7 dollars pour la reconstruction. Ce principe a été démontré aux Maldives, où une digue protectrice a été construite avec l'aide du Japon. Lors du tsunami survenu dans l'océan Indien fin 2004, environ 70% de la superficie de l'île a été inondée. Mais par chance, aucune victime n'a été à déplorer. Avancer vers un monde plus résilient face aux catastrophes. Le Japon va continuer en coopération avec la communauté internationale à promouvoir la prévention des risques de catastrophes.